Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos, bienvenue pour le tournoi. Alors, le tournoi que j'avais organisé sur Mario Kart 8, il est 14h50 et comme vous pouvez le voir, on est 9 au total. Il en manque 3. Bon, vous avez encore 10 minutes pour pouvoir... Même si ce sera en différé, pourquoi je parle au présent moi ? Je sais pas du tout. En tout cas, il manque... que 3 personnes pour l'instant. J'ai décidé de capturer en premier lieu pour savoir si tout fonctionne bien. Puis apparemment le micro commence à partir en vrille, ça commence bien. Manquerait plus que Audacity bug, mais ne parlons pas de malheur. Écoutez, j'espère que tout va bien se passer. J'espère que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Rappel pour ceux qui regardent la vidéo, là le prix pour la première place sur les 3 manches, c'est tout simplement mon code de téléchargement pour avoir un jeu gratuit, le jeu de votre choix. J'essaierai de refaire un petit peu des tournois comme ça. Parce que pour tout vous dire, c'est quelque chose à laquelle je réfléchis depuis un long moment. Et j'aimerais bien organiser des petits tournois comme ça avec des petits prix à la clé. Pourquoi pas des jeux, carrément. Même si ça implique que j'investisse dans un jeu pour pouvoir vous l'offrir. Au final, moi, je m'en fiche. Ça me fait vraiment plaisir. Là, j'ai cette possibilité, donc tant qu'à faire, autant vous en faire profiter. Et je pense qu'à mon avis, si tout se passe bien, on en refera quelques-uns. Bon, après, ne pensez certainement pas que je vais faire un tournoi par mois. Hein. Je dis, faut pas déconner non plus. Hein. Je vais essayer de varier les jeux, pourquoi pas. Si un de ces quatre, je chope la PS4 ou la Xbox One, je suis sûr qu'il va y avoir pas mal de jeux sur lesquels on pourra faire ça. En attendant, il est quelle heure là ? Quelle heure ? Il est 52. On attend toujours les 3 derniers. Bon, ils ont dit que... C'est vrai que j'avais dit à 15h. Donc si jamais vous m'avez pas suivi sur Twitter, peut-être qu'ils vont venir à 15h pile. Même si j'avais précisé dans la vidéo, venez à 14h30, 14h45 à peu près. Enfin bon, donc qui c'est qu'on a ? Hein, on va voir sur le gamepad là. Qui c'est qui est déjà présent ? Aitopi, bien le bonjour Aitopi. Toi, j'espère que tu vas gagner parce que toi, je sais que tu le veux, hein, le code. Hein. Mais si t'es nul, tu gagneras pas. Ce qui est d'une logique implacable. La praline, cucu la praline, bien le bonjour avec ton pseudo collector qui est magnifique. Volst. Alors toi t'es un bon, je crois. Le Volst, lui c'est un bon, il me semble. 2-0, bienvenue à toi. Younes, toi aussi, bienvenue. Sénadis, évidemment, le Sénat. Iluvatar, alors toi je sais pas qui t'es. J'espère que t'es pas quelqu'un qui vient squatter une place. Parce que je crois que j'ai noté un autre pseudo sur ma petite liste. Mais c'est pas Iluvatar. J'espère que t'as pas un petit squatter parce que ça va pas le faire. Hein. Et le bon vieux Skelemax. Le Skelemax qui m'a volé une place lors du tournoi Hooper.fr. Ce fumier, va. Sur la piste Mario en plus, hein, sur l'espèce de circuit disco. Ça c'est vicieux de ta part. Hein. D'ailleurs, ça reste là. Enfin bon. Eh ben, je vous souhaite bonne chance à tous. De toute façon, je vous ferai une petite annonce via le micro du gamepad. Alors ça va être en un seul circuit. Enfin un seul grand prix. Un seul grand prix, non pas un seul circuit. Les 5 premiers, en plus de moi bien sûr, les 5 premiers seront qualifiés pour la manche finale qui se déroulera aux alentours de 17h. Ça se déroulera à 17h. Bon, on va balancer quand même une petite annonce sur Twitter, parce que là... Ah, ça c'est... Ça, je tiens à vous le prévenir, là, étant donné qu'on est en live, là.
Alors, il manque 3 joueurs. On se dépêche, s'il vous plaît. On se dépêche, s'il vous plaît. Mais je vais en profiter pour... je vais en profiter pour vous avertir. Moi, je veux bien, comme je vous l'ai dit, faire des petits tournois comme ça avec un prix à la clé. Non pas des tournois dans le vent, parce que des petites parties dans le vent, moi, je vois pas réellement l'intérêt. Peut-être qu'on peut en faire, mais ce ne sera pas capturé sur YouTube, par exemple. Cependant, faire des petits tournois comme ça sur, sur plusieurs jeux avec une récompense à la clé, notamment pourquoi pas un jeu récent qui vient de sortir, que ce soit sur, sur n'importe quel support, moi, ça m'intéresse. J'ai bien envie de vous proposer cela. Par contre, je tiens à vous prévenir, c'est comme je l'ai dit dans la vidéo annonce, pour moi, vous êtes des gens civilisés. Des gens civilisés, des gens disciplinés. Donc, faites en sorte que tout se passe bien. Faites vraiment en sorte que tout se passe bien. Ça ne fera que m'encourager à faire des tournois. Si en revanche, je vois qu'il y a pas mal... de désistements qui ne sont pas prévenus. Si jamais vous ne pouvez pas et que vous ne prévenez pas, d'ailleurs là c'est un tournoi test, hein. Je regarde comment... Oui, la manette, calme-toi. Je regarde comment ça se passe. Si jamais il y a trop d'absentéistes, alors que faut pas déconner, ça fait quand même 3 jours que je l'ai annoncé. En 3 jours, je pense que vous pouvez trouver un moyen de me dire si c'est bon ou pas. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Si jamais il y a trop souvent ce style de problème, ça va m'agacer, ça va m'énerver, et au final, je ne ferai pas des tournois. Moi, je suis quelqu'un qui a été éduqué façon militaire, donc je peux vous dire, c'est triste à dire, mais je ne fais pas dans la demi-mesure. Si jamais, à cause de 2-3 idiots, les tournois se voient grandement... affecté, autrement dit, si jamais ça ne se passe pas comme prévu, tout le monde prendra. Je ne fais pas dans la demi-mesure. Tout le monde prendra et au final, je ne ferai pas des tournois. On est là pour s'amuser, au final, il y en a un qui s'est envolé. Bah écoute, à la prochaine. Peut-être que tu as eu une déconnexion, j'espère que tu vas revenir vite parce que je vais pas attendre pendant 15 ans. Là, il est 14h57, je pense que je vais vous faire une petite annonce. Je vais vous faire une petite annonce, d'ailleurs on va faire ça. On va poser le micro-casque et on va ouvrir le micro histoire de leur faire une petite annonce. Alors. Bien, la petite annonce est en fait. J'espère que les autres vont pouvoir se manier. Pour l'instant, on n'est que 9. Écoutez, tant pis. Il est 14h59 à ma montre, il reste encore 6 minutes. Ah, enfin voilà. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, moi, au final? Je pense que oui. Je pense que oui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bah, on va juste patienter. Si jamais je vois que ça prend un petit peu trop de temps, bah, peut-être que je couperai au montage, je ne sais pas. Mais... Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais vous dire? Oui, ça, je vais en profiter, là, il reste 5 minutes. Ah, c'est par rapport... à mes vidéos, par rapport à ceux qui suivent mes vidéos, sachez qu'il risque d'y avoir des gros changements. Il va y avoir beaucoup moins de vidéos que normalement, autrement dit. Plutôt que de vous faire une vidéo par semaine, ça risque de changer. Il risque d'y avoir moins de vidéos parce que pour le coup... j'ai une vie. J'ai une vie, mine de rien, donc j'essaierai toujours de vous faire quelques vidéos. Au moins une par semaine, je vais essayer. Mais... on va essayer, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On va essayer de... Je vais essayer de vous proposer toujours autant de contenu. Toujours des tests, hein, bien sûr. Ce sera la priorité, même si la prochaine vidéo, ce sera une vidéo découverte sur un FPS qui s'appelle Blacklist. On va bien voir comment ça va se dégoupiller. J'ai vu que Volst s'était enfui. Bah écoute, Volst, si jamais tu reviens vite. Parce que j'ai vu que... Le petit, là, derrière. Comment qui s'appelle? Senna, le Senna 10. Toi, tu as été déconnecté, mais tu es vite revenu. Volst, tu as jusqu'à 15h05. Il est 15h01. Il reste 4 minutes.
Eh ben écoutez, moi au final, je vais couper jusqu'au début du tournoi. Bien, eh ben écoutez, il est 14h, enfin il est 15h, 15h05. Tant pis pour ceux qui ne sont pas là, écoutez, la prochaine fois abstenez-vous quoi. Parce que là franchement, vous me foutez les boules. Là vous me foutez les boules, je vais être clair et net. Dieu merci Volst, t'as réussi à revenir, parce que là j'allais partir. Donc, eh ben écoutez, bonne chance à tous. On commence, on est 10, 10 sur 12, et bah écoutez, tant pis, j'avais dit 15h. Ah, il y en a un qui est parti, mon pauvre petit. J'espère que tu vas revenir très vite. Alors, grand prix 150cc, chacun pour soi. Tous les objets, bien sûr. Pas d'IA, certainement pas d'IA. Et tous les véhicules. Bon, j'essaye d'attendre. J'essaye d'attendre parce qu'il y en a un qui a été déconnecté. Là, pour le coup, le mec, il vient juste d'être déconnecté. Ah, putain, que t'es lourd, mon petit. Bon, j'attends une minute, mon gars. Ça, franchement, c'est... Bon, au final, j'espère que tout va bien se passer, même si là, franchement, à ceux qui ne sont pas là, vous me foutez réellement les boules. Vous me foutez réellement les boules parce que vous avez pris la place de gens qui voulaient également participer à ce tournoi. Et franchement, vous êtes vraiment pas sympa, quoi. Je veux dire, ça fait 3 jours, je n'ai reçu aucune nouvelle de la plupart d'entre vous. 3, 6, 9... Eh ben tant pis, écoutez, on commence. Allez, bonne chance à vous. 50... Tout est réglé. On est parti. On est parti, tant pis pour ceux qui ne sont pas là, tant pis pour ceux qui... peut-être qu'il y en a qui vont rejoindre en cours de route, je ne sais pas. Mais en tout cas, bah écoutez, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, mais... Franchement, comme je vous l'ai dit, hein, c'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse, vous me foutez mal à l'aise pour ceux qui ont... pour ceux qui ont demandé de participer, auxquels j'ai dit, bah écoutez, non, la place est prise. Franchement, c'est vraiment... C'est dégueulasse. Excusez-moi de le dire comme ça, mais je trouve ça dégueulasse. Vous êtes vraiment pas sympa, ça se fait pas. C'est... Enfin bon. Peut-être que j'ai mal jugé certaines personnes. Mais enfin bon. On va arrêter d'y penser, donc allons-y gaiement. Alors, Skelemax, Luvatar, D0, Aitopil, Apraline, Senadis, Enju, Volst... et votre serviteur 69 Zelos. Bonne chance à tous. Et en plus on commence sur une course qui est magnifique. C'est parfait. Et hop là. Allez les gens. Allez les gens, et on donne tout. Là je vous laisse avec l'ambiance de cette musique. Parce que enfin avec l'ambiance de cette course, parce qu'elle est excellente quoi. Allez, bonne écoute tout le monde. Le Volst, c'est un bon. Hein. Il me semble que c'est un bon celui-là. Hein.
Evolst premier, la praline, Skelemax, Enju et Aitopi. Eh ben écoutez, pour l'instant c'est vous qui êtes devant, plus que 3 courses. Alors ça se prouve il y a des gens qui viennent d'arriver, mais écoutez, si jamais c'est le cas, j'espère qu'on va pas avoir de problème, hein, notamment des problèmes de déconnexion, parce que ce Mario Kart 8, aïe aïe aïe. Eh ben voilà, il y a le gars qui a été déconnecté. Bah excuse-moi mon grand, mais je suis désolé, tu vas avoir un handicap, hein, mais là pour le coup... Ah, c'est pas de ma faute. Hein. Là, on peut pas me blâmer pour le coup. Alors, 4, 8, 10. On est 10. Bah écoutez, pour les deux qui ne sont pas venus... Franchement, je modère mes propos. Je modère mes propos parce que je ne vous connais pas et je dois avoir un minimum de respect pour vous. Mais heureusement que je ne vous ai pas en face de vous. Hein, parce que moi, je suis quelqu'un de vraiment cru dans mes paroles. Si jamais je ne devais pas capturer cette session, franchement, je vous aurais bien blâmé la tronche. Hein. J'espère que la session de 15h45 se passera bien mieux. Ouh, le Vox, il a l'air... Le Vox, il est remonté, là. Le Vox, il est remonté, mais ça, c'est... J'ai envie de dire, c'est mon circuit, ça. Ah, je vais tout donner sur circuit parce que je le kiffe. La piste disco, franchement, je l'adore. Mais. Je l'adore, mais à un point. Je vais essayer de foutre le bordel, tiens. Je vais essayer de foutre le bordel, histoire... Oh, le Vox, là. Essaye de me choper, mais tu vas te faire défoncer. Là aussi, la musique, elle est vraiment pas mal, pour le coup. D'accord, je vais vous laisser avec, je pense, parce que... Elle est énorme. Allez, je vous dis bonne écoute. Pump it up sur le dance floor. Nickel! La première place pour votre serviteur! Putain, j'ai vu que c'était Volst qui était derrière moi. Putain, le mec il s'est fait allumer pourtant. Ah bah non! Oh bah pas du tout. Où est-ce qu'il est? En dixième! En dur! En dur le Volst! Oh! Oh le pauvre! Putain, il a dû se faire allumer. Bah Etopi, qu'est-ce que tu fous? Eh, tu vas te faire doubler là! Le D0 il est juste là, hein! Il te renifle l'arrière-train de ton kart, hein. Ça sent le coiffage au poteau. Enfin bon, après la deuxième course, qu'est-ce qu'on va prendre, tiens. Essayez de vous prendre un beau... Oh, l'autodrome royal, quoi. L'autodrome royal, quoi, s'il vous plaît. Tu peux pas test. Les circuits de Nintendo 64, de toute façon, tu ne peux pas test. Mais en tout cas, ce sera le circuit musical là de la 3DS. Alors, voyons voir. Qui c'est qui est premier? La praline! Cucu la praline! Bravo! Essaye de garder cette place tout du long. Cucu la praline est première, suivie de moi. Et l'autre, par contre, je ne sais pas qui c'est. Bon, bien sûr, je ne compte pas. Hein. Bien sûr, je ne compte pas les 5...
Les 5 premiers seront qualifiés, mais si jamais je finis dans les 5 premiers, forcément le sixième sera qualifié également, quand même. Pour rester un peu logique. Wenju, qu'est-ce que tu veux, toi? Avec ton boiser, là. Ton boiser à banane, là. Oh putain, j'ai mal pris le virage. Ah oh, putain, je me fais défoncer. Et Volst, c'est pas sur moi qu'il faut se défouler, hein. J'ai rien fait, moi. Ah, il est pas mal aussi ce circuit là. Ouais. Moi j'aime bien. Ouais. Oh! Et c'est fini, oui! Ça est fini de m'allumer! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez là, Topi, on avance là! Troisième! Oulala, là là, mais. Je crois que les deux premiers ils sont partis. Ils sont partis à une vitesse. Attendez, on va essayer de les rattraper là parce que c'est pas possible. Là. C'est pas possible! Là. D'où ils se mettent à tracer comme ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais j'arrive pas à les rattraper! Ah, ils ont deux virages d'avance. Il est là-bas, il est là-bas. Je l'ai vu. Oh la vache, putain, mais ils ont pris une avance considérable, là, les deux premiers, là. Ils ont vraiment pris une avance considérable, pour le coup. Où est-ce qu'ils sont? Putain, mais c'est... Oh là là, mais ils ont fait un... Ils vont faire un parcours de malade, où est-ce qu'il est? Oh, ils sont tout au bout! Oh là là, oh la race! La race qui nous fout, c'est hallucinant. Du coup, je vais essayer de l'embêter, lui. Et reviens. Oh, une bleue, tiens. Ça fait du bien. Ah oui, donc inutile de vous dire que... L'équilibrage de ce Mario Kart... de ce Mario Kart 8 a été revu. Donc là, pour le coup, on a des courses qui sont bien plus équilibrées, on a bien moins souvent des carapaces bleues, voilà, putain, je cherche mes mots. On a bien moins souvent des carapaces bleues, et ça, franchement, ça fait plaisir. Oh, magnifique sniper, le Aitopi, là. Magnifique sniper. Et qui c'est ça? C'est D0, ça? La fin du troisième circuit. Alors, voyons voir. Putain, mais qui c'est? Putain, Volst et Enju, quoi. Oh la vache, eh. Et ils nous ont tracé, mais un point. La praline, toujours en first, je vois. La praline, Volst, Enju, Skelemax et Aitopi. Pour l'instant, c'est vous qui êtes qualifié pour le tour suivant. Je suis en train de réfléchir à un truc là. Oula, mon Mi, il est pas content. Tape du pied, il est pas content. Allez, c'est la dernière. C'est la dernière. À vous de tout défoncer. À vous de tout défoncer. Ah, oh, l'autoroute Toad. Nickel pour terminer ça. Alors, qui c'est le premier? Volst. Volst premier, Enju deuxième. Ah non, c'est Cucu la praline première. Eh hey, suivi de Skelemax. Volst. Il reste 5. Et on est parti, Vécoco. Oh, je vous laisse avec la musique parce que le remix, il est magnifique. Je vous dis bonne écoute. Et on se retrouve à la fin des résultats.
Ah ça c'est dégueulasse. Pourquoi de la balance en arrière? C'est la première place qu'il faut viser. Oh là là, putain. Oh, je m'en souviendrai de ça. Je m'en souviendrai de ce coup. On a osé bomber. On a osé bomber le terroriste. Elle est terminée. Terminée, emballée, c'est pesé. Voyons voir qui est arrivé dans les premiers. Oh, c'est magnifique, ça rime, dis donc. Alors, Enju, Volst. Enju, Volst, la praline, Skelemax et Aetopi. Vous êtes donc qualifiés tous les deux. Tous les cinq? N'importe, tous les deux. Vous êtes donc qualifiés tous les cinq pour la partie. Pour la partie. La partie finale, tout simplement. Vous êtes donc qualifiés pour la partie finale. Donc Senna D0. Alors D0, hop là. Thomas? Qu'est-ce que tu foutais là, mon grand? Toi c'était à 16h, dis donc. Toi c'était à 16h pour le coup. Enfin bon. Eh bien écoutez, moi je vous quitte là. Je vais leur faire une petite annonce. Je vous quitte ici et on se reprend pour la suite. Bien, eh ben on reprend. Alors, eh ben écoutez, normalement, il y a presque tout le monde qui est là. On est combien? 4, 8, 8 et 3, 11. Il en manque un. Au vin de Dieu, il en manque un. Qui c'est qui manque? Je ne sais pas. Alors, on va voir les présentations quand même. Alors, le petit Pika est présent. Kayohan, bienvenue à toi. NesGame33, toi, bienvenue également. Le HSIM, le bon vieux dernier. On verra, hein, il va falloir tout niquer, HSIM. Hein. Il y a ton niveau qui commence à grandir. Thomas59, bienvenue à toi également. Le Spy, bien le bonjour. Bienvenue à toi, Pix300. Merci d'avoir été là, hein. Tu fais partie de ceux qui ont été pris en remplacement. Romain, bienvenue à toi également. Et Gil, bienvenue à toi aussi. Bon, toi par contre, Rodil. Alors, je ne sais pas qui tu es. parce que moi, j'ai pas noté Rodi comme pseudo. Je ne pense pas que tu remplaces quelqu'un. Il va falloir que je regarde quel est ton vrai pseudo, parce que si ça se trouve, je l'ai noté, mais j'ai pas noté le bon. J'ai peut-être pas noté ton idée Wii U. Je ne sais pas. En tout cas, on verra. Si jamais tu piques la place de quelqu'un, bah écoute. Non, je préfère rien dire, mais bon. Là, on commence. Il est quelle heure? Il est 56, donc on commence dans 4 minutes. Et j'avais juste envie de continuer à dire une chose. Je vais boire une lampée de café. C'est par rapport à tous ceux qui sont... tous ceux qui ne sont pas venus, qui ne viennent pas à ce tournoi. Franchement, vous êtes dégueulasse. Vous êtes vraiment dégueulasse, j'ai que ça à faire. Pour ma part, je m'excuse cordialement et avec la plus grande sincérité à ceux qui n'ont pas pu participer, auxquels j'ai refusé la place à cause de ces imbéciles. Je suis vraiment désolé pour vous. Surtout que vous imaginez pas, hein, je suis vraiment mal. Ah, on en a un petit autre qui arrive, qui c'est ça? Ah, le Sunny, enfin le Sunny est là. Ouais, donc pour vous dire, quoi, je suis vraiment, vraiment désolé, ça me rend vraiment mal de vous avoir refusé la place alors qu'il y a des imbéciles qui vous ont piqué la place normalement. Ça m'énerve, surtout quand j'ai vu certains messages qui voulaient réellement participer parce que le prix leur intéressait. C'est ça qui m'énerve au final. C'est vraiment ça qui m'énerve au final. Si jamais ça avait été un tournoi tout simple, auquel c'était juste pour le fun, je m'en foutrais, mais royalement. Sauf que là, le premier de ce tournoi, il gagne quelque chose. Il gagne un code pour avoir un jeu gratuit, je rappelle. D'accord? Donc là, pour le coup, c'est dégueulasse ce que vous faites. Vous empêchez à certaines personnes de pouvoir tenter leur chance de gagner ce truc-là.
Donc, je le dis avec la plus grande sincérité, je suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas pu venir à ce tournoi, et ceux qui ont fait les absents, eh ben, allez vous faire voir. Allez vous faire voir. Et pour le coup, ça commence à me faire réfléchir sur les tournois. Je me dis, soit j'en fais plus, là je suis en train de me dire, soit j'en fais plus, clairement plus, ou alors je fais comme la plupart des gros qui organisent des tournois, à savoir je privilégie uniquement ceux qui sont actifs sur ma chaîne. Et Dieu que ça va m'agacer de devoir faire ça. Mais si je vois que je peux pas en faire autrement, eh ben écoutez, je le ferai comme ça. Mais en tout cas, vous êtes vraiment pas cool, vous êtes des fumiers pour le coup. Il y en a qui attendaient, qui voulaient vraiment participer, ils ne le peuvent pas à cause de vous. Vous êtes des fumiers. Bien ! Il est 15h59, eh ben écoutez, je crois que tout le monde est là. 4, 8, 12 ! Eh ben, on commence ! Bonne chance à vous ! On commence, Grand Prix 150, chacun pour soi, tous les objets sans IA, tous les véhicules. Ok, on est parti ! Bonne chance à vous ! J'espère que vous allez vous déchirer. Oh putain, il y a tous les mics qui se sont arrêtés d'un coup. Tout le monde écoute le Zelos, t'as vu? C'est... Enfin bon, bref. Qu'est-ce qu'on va prendre, tiens, comme circuit Qu'est-ce qu'on va prendre Tiens, le château de Boiser. Le château de Boiser est vraiment pas mal. Hop là. Mais au moins, j'ai envie de dire, si Roddy... Si jamais mon bon vieux Roddy, tu fais partie des gens qui sont inscrits mais que j'ai pas noté le bon pseudo, eh ben écoutez, le deuxième groupe, je vous remercie parce que vous êtes bien plus disciplinés que le premier groupe. Vous êtes bien plus disciplinés que le premier groupe, je vous remercie de votre participation. J'espère au final que vous allez vous amuser parce qu'on est là avant tout pour ça, même si le premier prix est alléchant. On est quand même là avant tout pour s'amuser, donc bonne chance à vous. Puis on est à l'aéroport, c'est parfait ça. Et allez, on est parti. Alors moi je prends le kart rétro, comme vous avez pu voir, parce que kart rétro quoi. Kart de Nintendo 64, je sais pas si vous vous rendez compte du truc quoi. Ah, ce fumier, il prend l'aspiration. Va-t'en avec tes lunettes de soleil immondes. Le NES Game 33. Tiens, ah. Oh, le rebond. Oula, on a commencé à tracer les autres derrière. Allez, vas-y, NES. On va tout défoncer, là. On va tout fumer. Mais par contre, si jamais je peux te mettre des bâtons dans les roues, je le ferai avec le grand plaisir. avec les avions qui décollent, c'est vraiment pas mal. Un des meilleurs circuits, c'est dommage qu'il soit un petit peu à la ramasse côté technique. Mais ce circuit est vraiment pas mal, il est haut en couleur, il y a pas mal d'animations. Le fait de voyager, enfin de rouler dans un aéroport, regardez, on passe carrément à travers l'avion et tout, c'est franchement pas mal. C'est un des circuits que je préfère du jeu. Ah, j'espère que tout le monde va bien derrière. Je pique la place de quelqu'un comme un gros fumier. J'espère que tout va bien se passer. Et H-Sim là, t'es où? T'es où H-Sim là? Il faut se bouger un peu là, faut mettre la seconde hein. Enfin bon, on verra bien ça. On verra bien ça à la fin. Oh bah tiens, ça faisait longtemps tiens. Une petite bleue pour papa. Qui c'est qui est derrière? Bah, je ne sais pas, je le vois pas. Qui c'est qui est derrière? Bah, plus personne. Merde. Il s'est fait fumer? Bah, quelqu'un qui avait l'air hostile avec une plante piranha. Enfin bon. Mais je crois qu'au final, je vais vous laisser avec l'ambiance des circuits, parce que moi, j'ai pas grand-chose à vous dire. Si jamais vous faites partie de ceux qui ne possèdent pas encore Mario Kart 8... bah écoutez, je vous conseille la review que j'ai tournée dessus. Elle dure quand même une heure, hein, donc c'est uniquement pour ceux qui ont envie de la regarder. Et sinon, je pourrais vous dire directement mon avis dessus. Mario Kart 8 est certainement un must-have de la Nintendo Wii U. Si jamais vous ne l'avez pas, je ne peux que vous le conseiller. C'est du fun à l'état pur. Certainement le meilleur jeu multi pour l'instant sur Wii U.
Alors, Pix, HSIM 3ème, Sony, NES Game et Thomas 59. Et ben pour l'instant, c'est vous qui êtes qualifiés, les cocos. Pour l'instant, c'est vous qui êtes qualifiés, à vous d'assurer pour la suite. Ah, ben j'espère que tout va bien se passer pour vous, parce que malheureusement, si jamais il y a des déconnexions, ça c'est un point noir, je trouve, du système en ligne. C'est qu'il y a pas mal de déconnexions pour ce qui est de la Wii U, ça c'est vraiment dommage. Alors, 4... non, on est toujours 12, c'est impeccable, personne n'a été déconnecté, c'est nickel. Alors l'horloge tic-tac, ça c'est un bon circuit ça. Ça c'est un excellent circuit, puis ils l'ont bien refait en plus. Hein. Ils l'ont bien refait, la plupart des circuits rétro ont été bien repris. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Quand ils n'ont pas été complètement modifiés, la route arc-en-ciel en tête. Je vais vous laisser avec ce circuit, on se reprend tout de suite après. On va mieux ! Un casque ! Eh merde ! J'ai serré ! Putain ! J'ai pété le joint de culasse, colonel ! Bon, on va essayer de les rattraper, là, parce que là, c'est pas possible. Zelos ne peut pas être dernier ! Quand même pas ! Hors de question ! Ah ! Mais pourtant, ils font tout pour ! Ils font tout pour ! Et puis moi, je fais des conneries juste à côté ! C'est génial ! Revenez ici. Ah, ça me descend, colonel. Thomas 59. Et hop. Le doublage. Le spy. Le spy. Oh, le Gilly. Le Gilly, qu'est-ce qu'il a fait, le Gilly? Il est tombé dans le... Il est tombé dans le vide. Alors, qui c'est? Spy et Pix qui sont en face. Qui sont les deux premiers? Qui sont les deux premiers, tiens? On va essayer de les rattraper, tiens. Écartez-vous de mon chemin! Ah, c'est toi le petit Pix avec ton mi! Allez, avancez! Essayez de rattraper le premier, là. Qui c'est, ça? Qui c'est, ce... Qui c'est le first? Qui c'est qui est le first? Eh merde, je suis pas passé au bon endroit. Ouh! Ouh, le H-Sim! Le H-Sim avec le gros Kong! Ouais, ya. Ah, mais c'est NES! C'est NES Game. NES Game qui est premier. Mais là, pour le coup, vous avez pu voir un lag. C'est que vous avez vu qu'il a... Oh ! Oh putain ! Qui a balancé cette banane ? Qui a balancé cette banane de malade mental juste devant ma gueule ? Là, je sais pas qui a fait ça, mais bravo ! Juste bravo ! Tu as magnifiquement joué au basketball avec ma tronche. Ah vache, saloperie de pendule. Et accélère, gros ! Le Spy et le Pit sont toujours là. Allez, on défonce tout, les gars, on défonce tout. Ouh, la bleue. Attention à la bleue. Mais le Pix, il est dangereux, là. Le Pix, il est dangereux. Allez, bute-le, avec le rebond. Putain, mais le premier, mais c'est NES, le premier. Eh, il nous a bien fumé, hein. Ah, putain, j'ai cru que j'allais défoncer le Pix au poteau. Dommage. Ah, c'est NES qui est premier. Avec sa pin-up, là. La pin-up rose. Ness a grappillé la première place. Pix, suivi de Romain, Sony, Spy, qui sont les premiers. Oula, merde. Putain, c'est vrai que j'y avais pas pensé, ça. Ah mais non, mais c'est bon. C'est bon parce que je crois qu'il y a deux places de libre. Et bah, au cas où il y a une égalité, c'est parfait. Comme ça, les deux pourront venir. Voilà, c'est nickel. Ah, je commençais à avoir peur. Enfin non, quoique les deux. Oui, les deux, oui, parce qu'il reste une place. On va mettre la route arc-en-ciel, tiens. Il reste une seule place. On est toujours 12, personne à déconnecter. C'est impeccable. Voilà, là, ça se passe très bien. Là, ça se passe très très bien, pour le coup. Et là, je suis content. Là, je suis vraiment content. Là, c'est comme ça que j'aimerais que se passent tous les tournois que je compte organiser. Si jamais vous pouvez faire en sorte... que les tournois se passent de la meilleure des façons possibles, eh ben écoutez, je ferai en sorte de vous faire plaisir et de vous gâter le plus possible. Je dis bien le plus possible, hein, et pas vous gâter énormément, parce que des abonnés trop gâtés, c'est... c'est pas bon, ça, vous voyez. Tiens, le NES, avec le rebond. Putain, il était en l'air. Ça aussi, ça, c'est un circuit vraiment que j'adore, ça. Un des rares circuits que j'ai kiffé de la version 3DS. Au final, j'avais pas trop kiffé, moi, cette version. Eh ben, le NES!
t'as foiré. Mange, mange ma banane. Mange ma banane. Je l'ai éjecté, je crois. Mais pas de pitié. Mario Kart, c'est chacun pour soi. Oh, puis si je peux me permettre de vous mettre des bâtons dans les roues, croyez bien que je vais me faire plaisir. Et allons-y gaiement. De toute façon, moi, je ne privilégie personne. Je ne privilégie personne. On est là pour jouer. Si jamais vous n'avez pas de chance, bah... J'ai envie de dire tant pis. Allez, allons-y gaiement. C'est la troisième course, là, je crois. Il me semble que ouais. Il me semble que ouais, c'est la troisième course. Bon, c'est moi qui suis premier. Voilà, qu'est-ce que j'avais... À la seconde où j'avais envie de le dire, quoi. C'est bizarre qu'une bleue ne m'ait pas touché encore. Et comme par hasard, il y a une bleue qui arrive. Évidemment. Mais alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont derrière ou pas? Comment ça se passe? Allez, allons-y gaiement. Youpidou! Ils sont derrière ou pas? Oui, j'ai vu quelqu'un rouler. Non, parce que je regarde au cas où il y ait des... Au cas où il y a des déconnexions, si ça se trouve, c'est moi qui risque d'avoir une erreur de communication. Mais là, apparemment, ils sont tous en train de se friter derrière. Donc, pour le coup, ça... Ça va. Ça va. Ça se passe bien pour l'instant. Ce serait ballot d'avoir une déconnexion à la troisième course, quand même. Ouais, ce serait complètement con. Oh, la saloperie. Putain, elle a réussi à passer entre le... Oh, putain, le NES. Le NES Bimbo. Le NES Bimbo. Regardez-moi ça. Oh, mais le chara-design, putain. Oh là là. Nintendo et le chara-design. Une grande histoire. Une grande histoire. Oh putain, la carapace rouge qui va me défoncer. Apparemment, non, c'était pas pour moi. Oh, le NES. Ah, le fumier, il se protège avec sa banane. Et bien joué. Bien joué à toi, NES. Bravo. Belle course. Et qui arrive juste derrière nous? Qui c'est qui arrive derrière nous? Donc j'ai l'impression qu'en fait, le là pour l'instant, j'ai l'impression que ça va se jouer entre NES Game 33 et Vost. Ou Volst. Putain, je sais plus. Désolé. Je me souviens plus de... Je me souviens plus du pseudo. Non, pas taper, pas taper. C'est... Ça peut arriver, hein. Allez, en piste, mesdames et messieurs, pour la toute dernière course. Moi, je pense que je vais vous laisser avec... Je vais vous laisser avec avec le son d'ambiance. Comme ça, on se retrouve pour le Grand Prix. On se retrouvera directement... Enfin, pas pour le Grand Prix, mais pour le résultat. On se retrouvera pour le résultat, et puis... Et puis, on se retrouvera tout de suite après, aussi, pour la phase finale. La phase finale qui va... Qui va tout déchirer, je sens. Là, va y avoir du level. Va y avoir du level. Donc, Roddy, bah, apparemment, toi, c'est cuit. Thomas59, j'ai l'impression que c'est cuit pour toi aussi. Ah, c'est dommage, écoutez. Mais le principal, c'est de s'amuser, voilà. C'est... Vous prenez pas la tête, hein. De toute façon, si j'en vois qui se prennent la tête, ou qui deviennent injurieux parce qu'ils perdent... Enfin, voilà, quoi. Entre potes, je veux bien le comprendre, mais dans un tournoi comme ça... Le tout, c'est de s'amuser. Saloperie. Fumier de décave. Oh merde, j'ai complètement foiré. Oh, ça aussi, la voix céleste, comment c'est un super... C'est un super circuit, ça, je trouve. Bah, qui c'est, ça? Ah, merde. Bah, qui c'est, ça? Eh ben, le déca, on a du mal. Faut mettre... Ah, mais c'est la cible. Il faut mettre la deuxième, gros, là. Faut embrayer. Embraye. Sinon, tu vas galérer. Mais il a fini, le Romain, de me rentrer dedans. Mais il a fini, oui. Ouh, alors, trois petits champis, tiens. Ça... Je sais pas si ça va m'aider, ça. Oh, putain, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Eh, Sim, nut, nut. Faut se grouiller. Et je vous laisse avec l'ambiance de la course. On se retrouve pour le classement final. Je vous dis bonne écoute.
Le pauvre Pix. Ah, je t'ai fumé là où il fallait pas, hein, j'ai envie de dire. Hein. À l'endroit où il ne fallait pas. Eh ben écoutez, le Grand Prix est terminé, donc regardons. Regardons qui est qualifié. Nesgame suivi de Pix. Nesgame suivi de Pix. Suivi de H-Sim, suivi de Sunny, suivi de K, Johan. Eh ben écoutez, vous êtes qualifiés. Pika, Gil, Romain, Spy, Thomas et Roddy. Eh ben écoutez, j'ai envie de dire, c'est... vous avez participé, c'est l'essentiel, quoi. Je vous remercie, évidemment, je vous remercie grandement d'avoir participé. Je remercie à vous d'avoir été présent. Je vous remercie vraiment d'avoir été présent parce que... bah au moins, vous n'êtes pas comme les autres, voilà. Vous n'êtes pas comme les autres, vous avez répondu présent, et rien que ça, ça me fait plaisir. Eh ben moi, en attendant, je vous donne rendez-vous pour... je vous donne rendez-vous dans une demi-seconde pour tout simplement le dernier Grand Prix. Allez, à de suite. Bien, et ben on est de retour pour cette fois le Grand Prix final. On va commencer directement. On va commencer de suite, parce que bah, d'après ce que je vois, malheureusement, il y en a qui ont eu des problèmes de connexion. Bah écoutez, je suis vraiment désolé pour vous, moi je n'y peux rien. Je n'y peux vraiment rien pour ceux qui n'ont pas pu se reconnecter. Ah, le vol vient juste d'arriver. Bah impeccable. Ah, parce que là, ça, je sens que ce Grand Prix va se... Je sens que ce Grand Prix va se jouer entre le Volst... et Nesgame 33. Je sens que les deux là, ils vont se tirer la bourre pendant ce Grand Prix, ça va être magnifique. Eh ben on commence sans plus tarder, veuillez m'excuser. Oh, le Volst! Le Volst s'est enfui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? J'attends encore. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon allez, on attend. On attend deux petites minutes parce que c'est quand même, ça m'embête parce que c'est un des meilleurs, voilà, c'est le premier, je crois que c'était le premier du premier groupe. Donc pour le coup, ça m'embête un petit peu, il a de très grandes chances de gagner le tournoi. Il a de très grandes chances de gagner le tournoi et pour le coup, ça m'emmerderait de commencer sans lui. Mais je suis désolé, Volst, hein. Par contre, si jamais tu n'y arrives vraiment pas, là, il est 17h01. Si à 17h05, tu n'as pas réussi à régler ce problème, bah, écoute, on sera obligé de partir sans toi. Et j'ai envie de dire, bah, je ne peux que m'excuser, mais même si en même temps, je n'y peux rien. Mais enfin, bon. Bah, j'en profite d'ailleurs au passage pour vous... pour vous remercier tous ceux qui ont participé. J'espère que vous allez vous déchirer pour le coup là, mais on verra bien. Mais bon, ouais, voilà, je vous remercie tous de votre participation. J'espère que j'aurai l'occasion de le refaire. Ah, le Volst est revenu. Eh ben allez, on commence. Allez, bonne chance à tous. Et on repart. Grand Prix 150. Et on y va. Parfait pour la phase finale. Bonne chance à tout le monde. Bonne chance à tout le monde. On va voir qui va être le meilleur. Et moi, je veux remettre la route arc-en-ciel. Parce qu'on l'a pas eu, celui-là. On l'a pas eu, celui-là, encore, la route arc-en-ciel. Mais la plage chip-chip... Oh, c'est un petit circuit, ça. Le Champidrome, pareil. Prenez des circuits, des vrais. Bien. Eh ben, allons-y gaiement. J'espère que tout va aller pour le mieux pour vous. J'espère que vous n'aurez pas de déconnexion, parce que... ben, ce serait balèze. Ah, on retourne sur la voie céleste, tiens. On retourne sur la voie céleste. Ah, donc voilà, moi, au final, j'ai quasiment plus rien à dire. Je vous ai remercié. J'envoie chier également tous ceux qui ont voulu participer, mais qui ne sont pas venus, sans même me prévenir. Qui ne sont pas venus sans même me prévenir. Je parle pas de ceux...
j'ai envie de dire, je parle pas de ceux qui m'ont dit comme quoi ils étaient pas sûrs, et au final ils se sont pas inscrits. J'ai envie de dire, eux au moins ils ont été intelligents, quoi. Ils étaient pas sûrs, donc ils ont pas voulu, ils ont pas voulu imposer leur candidature. Mais je parle bien de ceux qui, je parle très bien de ceux qui au final ont posé leur candidature, mais n'ont strictement rien fait pour être présents, et en plus n'ont pas prévenu pour leur absence. Donc, franchement, vous me débectez. Vous me débectez, j'espère ne jamais vous revoir sur, sur les tournois, parce que moi je suis pas du genre à trier les pseudos, ça m'énerve. Tiens, je suis pas du genre à trier les pseudos, ça m'agace. Donc je remercie ceux qui étaient présents et ceux qui ont participé. J'espère que vous vous êtes amusés, on essaiera d'en refaire un de ces quatre. On essaiera d'en refaire un de ces quatre, et puis voilà, j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Pour l'instant, c'est le Zélos qui va gagner. Peut-être que je vais garder le code pour moi, ouais. Ouais, ça va être une bonne idée. Je vais arriver premier, je vais leur balancer sur Twitter. Ah bah, désolé, mais vu que c'est moi qui est arrivé premier, je garde le code. Allez vous faire foutre. T'imagines le gros fumier, quoi. Non, bien sûr, si jamais j'arrive premier à ce Grand Prix, c'est le deuxième qui remportera le... qui remportera le prix. Ah, et puis sinon, voilà, moi j'ai plus grand chose à dire. J'ai plus grand chose à dire. Tout ce que je dois faire, c'est assurer jusqu'à la fin. J'ai l'impression que je me fais une petite course tranquille. Je suis pas embêté par les carapaces rouges, ni par une carapace bleue. Ouais, c'est une petite course pépère, hein. Ouais, mais ça, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je défonce tout, là? Mais parce que carte rétro, mec. Carte rétro, le carte de Mario Kart 64. J'ai envie de dire, tu peux pas test. Tu ne peux pas test. Le carte rétro de Mario Kart 64, c'est... c'est THE CART. Franchement, c'est THE CART. Voilà. Rien d'autre à dire. Par contre, je vois personne derrière. Putain, j'espère que qu'il n'y a pas eu de déconnexion. Ah non, non, apparemment, c'est moi qui leur ai foutu vraiment une danse. Oh, je vous ai un petit peu tracé, là, pour le coup. Là. Mais alors, rien que pour cette prestation, ouais, je vais garder le code pour ma gueule, en fait. Hein. Alors, Aetopis, Kelemax, Hsim... Oh, Volst! Oh, dur! Oh, Ness! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Les deux premiers des deux groupes sont dans le... ils sont tout en bas. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les gars? Oh là là, vous êtes fait allumer? Vous vous êtes fait allumer ou quoi? Oh là là, ouais. Je sens qu'il y en a qui vont râler. Oh, on a perdu Volst. Voilà. On a perdu Volst. Ah, bah écoute, franchement, je suis désolé. Je suis désolé, Volst, hein, même si j'y peux rien, hein, techniquement. Mais bon, enfin, c'est bien pour les autres, parce que Volst... Volst, c'était le premier du groupe, quoi. Donc là, pour le coup... enfin, bon, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé pour toi. J'espère que tu reviendras, parce que, comme j'ai dit, je compte en refaire des tournois comme ça. Et ce sera avec plaisir que je t'accueillerai de nouveau. Oh, oh, fumier! Le Ness! Le Ness se rebelle! Ah, il est arrivé... il est arrivé 9ème à la course d'avant, il a pas aimé, il se rebelle maintenant. Mais t'es un fou! Tu te rebelles sur moi? Mais ça va pas le faire, hein. Oh la vache! Mais quel fumier! Mais qui c'est ce fumier aux carapaces, là? Le mec, il est 5ème, il balance des carapaces vertes en arrière. Qu'est-ce que c'est, ça? Et on essaye de mitrailler derrière! Bande de fumier! C'est qui? Qui c'est qui me poudre, là? Qui c'est qui me poudre de derrière? Qui c'est ça? Ça c'est Aitopi. Oh putain, le 8. Écartez-vous, ça peut être dangereux. Ah, le Pix 300. Bien le bonjour, mon petit Pix. Oh putain, je vais me prendre le panneau, tu vas voir. Écartez-vous. Pix, reviens ici. Voilà, ça c'est fait. Il y a le Aitopi et Cucu la praline qui sont devant. Et j'ai l'impression que là, cette fois-ci, c'est le NES qui... le NES Game 33 qui est parti... qui est parti loin. Oh la vache, ça a buté le terroriste. Ah, j'ai touché Hsim avec une banane, je crois. Ou alors il s'est protégé, je sais pas. Ah, avec son gros singe, là. Mais il est fou, le Hsim. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tombé.
Ah non, c'est un lag. C'est un lag. Ouais, parce qu'il est juste ici, regarde-le. Tiens, cadeau de la maison. On l'éclaire à ce moment-là, c'est parfait ça. On va essayer de rattraper le peloton de tête là, parce que c'est pas possible. Ah, ils ont pris trop d'avance là. On le naisse. Hé, fumier de lapin, va. Je suis sûr, il a regardé derrière lui, il m'a vu arriver, il a fait « Oh putain, le Zélos en first !» Le Zélos en first. Mais t'es un fou. Mais t'es un fou. Mais je vais te rattraper, tu vas voir. Ça va saigner. Allez, utilise l'étoile, c'est parti. Qui c'est qui essaye de me shooter au boomerang? Ah, ils ont fait une bonne course, là, les deux, là. J'sais... Bah, du coup, c'est qui le premier? Si c'est pas Ness, c'est qui? Je ne sais pas. Une belle bleue, là. Une belle bleue, ce serait bien pour foutre les boules aux joueurs. Une carapace verte, je suis fou. Si que je foute avec ça, et en plus je sais pas conduire. Super. Oula, la praline et la Éthiopie m'ont coiffé sur le poteau. Oula, qui c'est qui est arrivé premier entre les deux là? Ah, la praline qui a grillé la place à Éthiopie. Ah, oh, c'est ballot ça. Skelemax est arrivé en première position. Donc pour l'instant, Skelemax est premier. Tu vas le gagner ton jeu si tu continues comme ça, Skelemax. Mais en même temps, t'es un bien bon toi aussi. Vous êtes tous bons là. Là, il y a du level, j'ai envie de dire. Ah ouais, et le Volst, tu dis qu'il a été déconnecté à la première course. Bah, écoute, encore une fois, je suis vraiment désolé pour toi, Volst. J'espère qu'on aura une autre occasion de s'amuser. Enfin, tandis que là, par exemple, là, ça va être la Rainbow Road. Donc, pour la Rainbow Road, je vous laisse avec la musique et on se reprend à la fin de la course. Bonne chance à tous. Oh putain, j'ai un gros singe derrière moi. Ah. Ah, fumier. C'est qui le fumier qui m'a foutu dehors? Mais c'est pas fair play, ça. Mais c'est pas fair play, ça. C'est dégueulasse. Mouton, tu en veux doudou? Si jamais je remonte, ça va saigner. Espèce de fumier. Elle m'a bien niqué sur le coup là. Oh, dernier tour en plus, c'est dégueulasse. Mais tiens, je vais faire chier Ness, tiens. Je vais faire chier Ness Gaming. Oh, le fumier, il avait une protection. Eh bah, le Skelemax, j'ai l'impression que c'est dans la poche. J'ai l'impression que c'est bien dans la poche. Là, tu dois avoir quand même pas mal de points d'avance là. 27 points, et... Ah ouais. Ah, 9 points d'avance.
Ah, hormis s'il arrive dernier à la dernière course, j'ai l'impression que c'est pour lui. Ça va être pour lui, le jeu gratuit. Ah bah là il a tout défoncé là pour le coup. Lequel on va prendre tiens pour la fin? J'ai envie de prendre un... L'autodrome tiens, l'autodrome royal tiens pour la fin. Je crois qu'on l'a pas fait hein. On l'a pas fait durant les 3 grands prix. On est toujours 8, ils sont toujours là. On attend le Pix, le petit Pix 300. Allez l'autodrome royal. Yeah, nickel. Mais c'est parfait. Un autodrome royal pour la phase finale de ce tournoi royal. J'ai rien d'autre à dire. Allez, bonne chance à vous, on se retrouve à la fin du classement et puis on pourra achever cette vidéo. Bonne écoute à vous et bonne chance. Ah! Ça c'est dégueulasse ça! Ça c'était fumier ça! C'était de la fumisterie ça! Qu'est-ce que cette bombe foutait sur la route? Et qui plus est, qu'est-ce qu'elle en avait après moi? Une bille-ball! Il y a une bille-ball à l'arrière! Oh mon dieu! Qui c'est ça? Ah Johan, le petit Johan. Allez défonce tout mon grand. Essaye de les rattraper. Le petit Pix. Oh ça c'est un éclair. Qui est le responsable de ceci? Merci enfoiré d'Hsim. Sale fumier. Eh ben cucu la praline. Faut mettre la seconde là. Allez faut accélérer. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces bananes là, bande de pollueurs? Mais non je suis dernier. Mais non, mais quel affront! Je suis dernier! Putain. Allez, remonte, remonte! Pardon! Ah! Mais putain, je fais n'importe quoi aussi! Ah, il a une étoile, il est dangereux, lui! Mais non, tu m'auras pas! Tu m'auras certainement pas! Et c'est bon, on va essayer d'accélérer. Oh, pas dernier! Ah, oh, je refuse! Mais lol, il a un mille balles. Oh oui, trace le Pix. Yes. Tout sauf la dernière place. Enes qui est arrivé premier, mais malheureusement ce n'est pas suffisant. Et ben voilà, c'est là-dessus, c'est bien le quatrième, hein. Je sais même pas, c'est à quatrième ou à troisième course? Putain, je sais plus. Ah, oh, je sais plus, j'ai un doute là. C'est la quatrième, il me semble, hein. Il me semble que c'est... Mais non, c'est à troisième. Ah non, c'est à quatrième. Eh ben écoutez, c'est la fin. Eh ben bravo. Bravo Skelemax. Félicitations, c'est toi donc qui remporte le code. Le code de promotion pour avoir le jeu de ton choix parmi ceux qui sont proposés. Je vous renouvelle mes remerciements pour tous ceux qui ont participé. J'espère que vous vous êtes amusés. J'espère que vous pourrez reparticiper la prochaine fois. Je renouvelle mes emmerdements cette fois-ci à ceux qui ont piqué la place de certaines personnes qui voulaient participer. Encore une fois, cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas. J'espère que les autres tournois que je ferai se passeront mieux. Et j'espère que ça se passera bien mieux au niveau de l'absentéisme. Parce que pour le coup, eh ben, ça risque d'empêcher le fait qu'on revoie des tournois. Il y a le Johan, il en peut plus là. Enfin bon, donc merci beaucoup pour ceux qui restent. De toute façon, moi je vais continuer sur Twitter. Moi, il me reste plus qu'à vous dire
à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69 Zelos. Et bonne partie tout le monde. Félicitations encore Skelemax. Et à la prochaine. Voilà. J'ai plus rien à dire. Allez, ciao à tous.